10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des deux EAP et décollage vers 244. Est nominal. Vous les paramètres à bord sont normaux. Puissance. Très franchement, tous les paramètres à bord sont normaux. Grand moment. Vous entendez le DDO nous annoncer que tout est normal à bord. Le vol est donc bien engagé. C'est absolument impressionnant. Quelques secondes après la lumière, et les paramètres propulsifs sont conformes à l'attendu. Le décollage, on ressent effectivement la vibration et on entend ce son qui. Ariane 5 ES qui secoue l'atmosphère ici à Toucan. Donc voilà, l'Ariane 5 avec 4 satellites pour Galileo est actuellement en Those boosters are chemin. Propelling us, doing all the work right now. On la suit parfaitement, le ciel est altitude 51 km, tous les paramètres à bord sont normaux. Tout est normal et on va se séparer des premiers éléments. 2 minutes 23 de travail pour les accélérateurs à poudre. Ces étages d'accélération vont être séparés. Voilà qui est fait. On vient de se séparation des étages d'accélération à poudre. 277 tonnes par deux. Imaginez, il n'y a pas encore 3 minutes de vol et il y a à peine un quart de l'Ariane 5 initiale qui est encore en vol en termes de masse. La poussée au décollage. 13 000 kN. Imaginez, cela équivaut à la puissance de 11 Airbus A380. On est toujours dans la recherche absolue de. Enfin, du rattrapage suite à la séparation des étages d'accélération à poudre. Des applaudissements mérités pour cette Ariane 5. Je disais donc qu'on va alléger une fois de plus et ce sera la coiffe cette fois-ci. Passer les 100 km d'altitude, elle n'est plus utile. Et cette coiffe, eh bien, tout simplement, on va s'en débarrasser. Paramètres propulsifs sont conformes à l'attendu. Tout se déroule de bonne manière, vous l'entendez. Nous attendons l'annonce de la séparation de la coiffe. Ça doit intervenir à 3 minutes et 45 secondes de vol. Ça ne saurait tarder donc. Voilà qui est annoncé. Séparation des deux demi-coiffes.